Simple mange, bien manger, tout simplement. Bonjour à tous les mangeurs éclairés, je suis Véronique, formatrice nourricière pour Simple Mange et je vous accompagne à adopter une alimentation plus saine durablement. Dans cette vidéo, je vais vous parler du miam aux fruits, une recette exceptionnelle qui est mise au point par France Guilin dans sa méthode complète que je vous invite à découvrir. Le miam aux fruits régénère les cellules et apporte de nombreux bienfaits à votre corps. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de l'essayer. Cette vidéo est dédiée à expliquer en détail pourquoi chaque ingrédient de cette recette est crucial pour votre santé et pour la bonne assimilation de chacun des ingrédients. Alors si vous cherchez comment préparer le miam aux fruits, je vous invite à regarder la vidéo pratique « Comment réaliser un délicieux miam aux fruits » que j'ai tourné, qui est sur cette chaîne Simple Mange. Alors, on va commencer déjà par la base du miam aux fruits, qui est la banane. La banane, c'est un ingrédient clé. Pourquoi ? Parce qu'elle est riche donc en protéines végétales, en potassium et en sérotonine, notre antidépresseur naturel. Une banane qui va être donc écrasée à la fourchette, elle devient plus digeste et donc son amidon se transforme ainsi en protéines végétales. Alors écraser la banane permet également de garder l'huile qui est dans la recette en émulsion jusqu'à l'intestin et ça assure une digestion optimale. Maintenant, pour ce qui concerne l'huile, la matière grasse, eh bien, j'utilise de l'huile de colza bio pour son excellent rapport qualité-prix et son équilibre en oméga 3 et en oméga 6. Ça m'arrive également d'utiliser de l'huile de noix que je trouve chez un producteur local. Alors, pourquoi de l'huile dans le miam aux fruits? Eh bien, parce qu'elle permet de nourrir les membranes cellulaires et d'apporter l'énergie nécessaire à notre cerveau, particulièrement sollicité de nos jours. 2 cuillerées à soupe suffisent et elles doivent être parfaitement émulsionnées avec la banane pour une absorption maximale. Concernant le jus de citron, eh bien, il faut absolument utiliser du jus de citron frais. C'est crucial dans cette recette pour la vitamine C qui libère donc l'huile des radicaux libres présents dans l'estomac et cela permet à l'huile en fait de nourrir efficacement les membranes cellulaires. Alors on utilise pour cela toujours exclusivement du jus de citron frais, jamais de jus déjà pressé en bouteille. Maintenant, le mélange de graines de lin et de sésame, donc qui sont moulues dans la recette, eh bien ces graines, elles apportent des fibres, du calcium et des oméga 3. C'est important de les broyer finement, de préférence de les conserver au réfrigérateur au maximum pendant une semaine pour libérer tous leurs bienfaits. Il faut savoir que si ces graines ne sont pas broyées, eh bien, tout simplement, elles ne sont pas assimilées par l'organisme. Donc, c'est quand même dommage. Vous rateriez une étape. Donc, une cuillère à soupe de chaque est idéale dans le miam aux fruits. Et donc, moi, je choisis de les broyer ensemble et puis de les mélanger, en fait, tout simplement. Du coup, j'en ajoute 2 cuillères à soupe dans mon miam. Le lin, donc, est excellent pour les neurones, tandis que le sésame, lui, est riche en calcium, élément essentiel notamment pour les os et la croissance du corps et des cellules, le rôle de construction et de reconstruction du corps. En ce qui concerne maintenant la variété de fruits frais, c'est ce qui rend le miam aux fruits si bénéfique et savoureux. France Guilin recommande au minimum 3 fruits en plus de la banane, donc on va ajouter plusieurs types de fruits, et comme ça on apporte une diversité d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, et évidemment de saveur. Donc ça assure une nutrition complète et une digestion efficace. Alors, pour terminer ces recommandations, nous allons voir quelques recommandations importantes maintenant pour profiter pleinement des bienfaits du miam aux fruits. Alors, il est crucial de déjà respecter les proportions et les méthodes de préparation de cette recette. Et ça, France Guilin le dit assez régulièrement. En fait, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard si ces ingrédients ont été choisis et dosés et puis préparés de cette façon. Donc, c'est une méthode éprouvée largement. Et moi, je vous recommande chaudement de suivre à la lettre ces indications. Toute modification, en fait, un peu justement réduire l'efficacité de la recette. Donc, cette recette de miam aux fruits, elle s'associe avec, notamment dans la méthode France Guilin, l'association d'un bain dérivatif que je vous invite à découvrir également,
Et puis la recette du Miamo 5 qui est finalement une assiette optimale comme je dis et c'est ce que j'explique à mes élèves. Alors si vous voulez avoir des résultats optimaux, ben voilà, vous pouvez combiner le Miamo fruit, le Miamo 5 et le bain dérivatif pour avoir vraiment et ben des résultats sur votre santé globale. Alors je vous partage dans le descriptif de cette vidéo et bien justement le lien vers la méthode France Guilin qui a été interviewée dans le podcast Métamorphose que je trouve vraiment très très enrichissant. Cette dame est absolument fabuleuse parce que depuis vraiment des dizaines d'années elle n'a de cesse de véhiculer et bien tout simplement ces recettes de santé naturelle accessibles à toutes et tous et à moindre coût. Donc je vous invite vraiment chaudement à visionner cette vidéo, cette interview, parce qu'elle est d'une grande richesse. Donc le miam au fruit, bah, c'est une préparation, vous l'aurez compris, qui est puissante pour régénérer le corps, améliorer l'état de la peau, des cheveux, et puis la santé en général. En suivant cette recette, et puis en comprenant bien les bienfaits de chaque ingrédient, vous pouvez donc transformer votre alimentation et profiter d'une meilleure qualité de vie, ni plus ni moins. Et c'est vraiment très honnête, moi je le fais depuis maintenant plusieurs mois et je peux vous dire que ben véritablement j'ai une santé vraiment optimale. Alors n'oubliez pas de regarder ma vidéo pratique « Comment réaliser un délicieux miam aux fruits » pour voir comment préparer cette merveilleuse recette étape par étape. Et puis moi je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles recettes culinaires saines et gourmandes et du coup faire du bien à votre santé et à la planète. À bientôt! Merci d'avoir regardé. Ça t'a donné envie de t'y mettre? Je t'offre des outils pratiques sur mon site simplemange.com. Et pense à t'abonner. Ça met pas de beurre dans les épinards, mais bon, ça fait toujours plaisir.